vérifier. Power lever, c'est sur idle. Alternate air, il est de ton côté, il est fermé. Fuel pump, les deux sont off. Ensuite, manuel gear, donc il est bien. J'ai peut-être un cahier là-dedans. Avionic master, electric master, tout est off. Pito hit off. Alternatique statique. Un cahier juste pour noter les blocs là, non, les alternateurs sont off. Moteur switch, oh, c'est pas bon. Ils sont bien. Emergency, ELT. Flaps, oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, tu as réglé tes rudder pedals. Ouais. Ok. Electric master, c'est parti. On. Alors, flight controls. Donc, ça débat dans le bon sens, il n'y a pas de point dur. Ok. Le trim, on va le tester. Ah putain, j'ai plus de pédale, sérieux, ça va, gear, alors, le gear warning. Ça, c'est bon. Dire, c'était bon. Ensuite, flaps, on va les mettre en position full. Donc, moi, ils sont complètement descendus à gauche, complètement descendus à droite. Hop. Et hop, ok. Après, hop. Et là, ok, ça marche. Je mets idle. Bon, vous êtes instruit, vous êtes assis mais pas attaché. C'est fermé, il n'y a pas de voyant. Le GMI là. Alors, du coup, là, c'est là qu'il faut. Je mets 50 gallons. Ok. Donc, engine. Fuel. Là. Donc les deux sont sur off, le strobe on, j'ai vérifié qu'il marchait, donc ok, donc on va démarrer le moteur, donc c'est le gauche, il n'y a personne, engine master, donc sur on, on va attendre que Glow s'éteigne, start key, on peut y aller. Voilà. Les températures, les pressions. Oui, la pression est bien. Ensuite, bah, la même séquence sur le droit. Donc, engine master on. On attend. Il est rapide. Hein. Personne. Ok, on regarde les températures, les pressions. On doit avoir 710, c'est bon. Fuel pump, elle doit bien être off, c'est le cas. Pito hit, on va juste le tester. Et là, ouais, on a le voyant. Bah, si, on a le voyant qui s'éteint. Ouais, mais il va s'allumer après. Ok. Avionic master on. Ok. Le FMS, on verra ça après. Et 1 et 2. Ok. Fuel selector. Sondeur 370 unité, roulez point d'attente, piste 25 droite, rappelez près. 370 unité au transpondeur, on roule au point d'attente 25 droite, on rappellera très Fox Alpha Bravo. Pussy Ground, good day, Fox Hotel Uniform Bravo Golf. On va tester les freins, donc on a le Fox frein de Bravo Golf, time check. One three, puissance. One three, je lâche les freins, ça fonctionne, je les enlève, ça fonctionne, tu veux le tester les tiens? Les commandes à droite. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ah bah c'est parti, alors avance. Évitez de souffler le hangar, on peut aller tout droit d'abord. Vous voyez un dépin Évreux 9, papa, rappelez de rouler. Voilà. Start-up approved, on virage à droite avec un peu moins d'une fois, deux fois. La vie du côté opposé, les deux horizons sont stables. Et l'aiguille de virage. Et virage à gauche, les caps diminuent une fois sur le conservateur, une fois sur la boussole. Les horizons sont stables. Et l'aiguille marque le taux de virage. Ok, donc c'est taxi check. Points on va décoller en volée, hop. Transpondeur 3703, on reprend le transpondeur frein gauche, on rappelle près, Fox, non, bravo. Ok, donc on va faire les tests. Donc d'abord, les OT, donc on passe sur A. Ok, on revient sur auto. B. Ok,
Et pareil sur l'autre, à auto et on remet en position auto. Ensuite les Q-test, donc on maintient les deux appuyés. Ça correspond quand tu faisais la régulation des lits. C'est un ECU. Là, après ces moteurs-là, non. C'est du 40. Ouais, bah c'est pareil, non. Une seule de Fox Oscar Mike, bonjour. Fox Oscar Mike, bonjour. Fox Golf Oscar Oscar Mike, un pas 28 au parc. Juste, on part d'abord avec information Golf pour des tours de piste. Tour, on le met pas, hein. Oscar Mike, transpondeur 7000, via le sens interdit, rouler point d'attente sur le 25 droite, rappelez-vous. On met les deux sur ON. 7000 au transpondeur, sens interdit approuvé pour rouler vers le point d'attente 25 droite, on rappelle après au départ Fox Oscar Mike. Donc le briefing, Oscar Mike, ce sera pour combien de tours sur le décollage, donc on décolle en piste 25 4, droite. Oscar Mike. Si on a une panne avant VSD, réduction freinage arrêt, je préviens l'ATC. Si on a une panne mineure après la rotation, c'est un tour de piste, main gauche, on revient en 25 droite. Et si c'est une panne réelle qui n'est pas une panne fictive, c'est toi le plus expérimenté, commande à droite et je t'assiste. Ça te va ? Et le briefing départ, ben, donc vu que c'est la 25 droite, on doit être au sud de, du patelin. Là, je sais plus comment ça s'appelle. On passe entre les deux patelins, ouais. Là. Ok ? Fox Alpha Bravo, piste 25 droite, autorisé décollage, vent 270 degrés, 17-2, deux trafics en tour de piste, un PA30 à droite, montée initiale, un Aquila, départ de la parallèle, rappelez sortie ouest. On décolle au 25 droite, on gardera un œil sur les trafics, on rappellera sortie ouest, Fox Alpha Bravo. Arrivé en bas, je vois pas la piste à gauche, il faut donner sa position. Ah, il est encore sur la piste, vous êtes, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est parfait, c'est pour ça que vous pas. On vient en bas, en alors, Giro Pito, plombe par chrono, hop, et bien c'est parti. Et le vent est dans l'axe. Bah, 20 degrés droite. Ouais. Alors, la puissance correcte. Pas d'inactif. Alors, on est à 10 nœuds de la rotation. Rotation. Fox Golf Papa, bonjour. Alors, ami Assiette, frein. Fox Golf Papa, alignez-vous piste 25 gauche, autorisé décollage, vent 280 degrés, 16 nœuds, deux trafics en montée initiale, à droite, Aquila pour le piste, à gauche, DA42, et c'est l'inverse d'ailleurs, le DA42 à droite pour sortie ouest, un Aquila à gauche, tour de piste, rappelé sortie ouest. Numéro 2 visuel de trafic, piste 25 gauche, autorisé décollage, vous le décollage, Fox Golf Papa. On va cabrer un peu plus pour avoir 102. On sent la puissance, ça c'est bon. On va couper pompe, les pressions restent dans le vert, info de trafic à gauche, et là on peut tourner, on va continuer dans un petit peu tout droit, donc on doit être au sud de ce patelin là qui est voisin, en... toi tu connais un peu plus le coin que moi. Et là, dès qu'on aura passé Manille à la base, on peut avoir l'extérieur. Alors, vous la voulez construire sur l'anticipation. Je vais mettre 60% de la puissance. Romeo, via la base extérieure, après finale, piste 25 droite, numéro 1. Et là, on peut y aller. La sécurité, il n'y a personne. Ah, donc, tu vois, avec 60% de la puissance, il ne le tient pas les 102, donc je vais mettre moins, je vais mettre 50. Fox Novembre Bravo, bonjour. Fox Novembre Bravo, bonjour. Fox Novembre Bravo, alignez-vous piste 25 gauche, autorisé décollage, vent 280 degrés, 15 nœuds, rappelé sortie ouest. Un trafic PA30 en base pour la parallèle. Tu vas retenir, c'est 50% de la... Non, bravo, je m'aligne piste 25 gauche, autorisé décollage, et on va pas lier votre trafic. Je rappelle le sortie ouest, Fox Novembre Bravo. Bonjour. Fox Hotel Delta Alpha Bravo, un DA42 en provenance de Toussu à destination des installations avec l'information Foxtrot. Faxonfa, bravo, transpondeur 4230, identifié, vos intentions, Pontonne 4230, Faxonfa, bravo, et ce sera pour des tours de piste. Reçu, Fox Alpha, bravo, entrée base main gauche, piste 30. Oui, Faxonfa, Alpha, bravo, on souhaite pas faire effectivement des tours de piste, mais est-ce qu'il serait possible de faire un délai si tu viens vers 30 ou 23 avec un guidage radar? Fox Alpha Bravo, reçu, rappelé 2000 pieds VMC QNH 1016 en entrée de TMA.
rappelle 2000 pieds, 1016, entrée TMA, Fox Alpha Bravo. Allez, on y va. Hop. Fox Alpha Bravo, vous êtes maintenant ISR à destination de Pontoise. Tournez à droite 10 degrés, interceptez localizer, autorisez approche ILS X-ray, piste 0515, une manœuvre à vue libre, piste 30. On tourne à droite de 10 degrés pour intercepter le LOC et ce sera un ILS X-ray 05 suivi d'une MVL pour la 30, Fox Alpha Bravo. Alors moi d'habitude quand j'intercepte, je me mets à 102. Eh ben oui, toi à 102. Et donc je vais réduire, on a vu que c'était... voilà. Ok, donc LOC live. Alors, j'aurais dû identifier logiquement hein, bon, je sais qu'il est green, donc tout va bien. Ah oui, puis c'est marqué Charlie. Ah, je sais, mais logiquement j'aurais dû écouter le morse. T'as les minima de la MVL pour la. Ouais, c'est 1010 pieds. J'ai laissé passer l'axe un petit peu, je vais aller le chercher. Et on a du vent de. Ah, on a un problème, donc c'est moteur droit, ok. Logiquement, je suis censé mettre 100%. Ben oui, puis ouais. T'es censé rester là. Hein. Allez, on met la puissance, on y va. Hein. Allez, on y va. Voilà. Ok, on est établi sur le LOC. Alors 100%, et après tu lui dis avant que ça explose. Train rentré, va aller rentrer. Tu lui dis que t'es en monomoteur fictif ou il s'en fout lui? Non, je vais lui dire. Hein. Je te fais la radio. Ok. Hein. Appuie sur le LOC 2000 pieds, manœuvre interceptif, Fox Alpha Bravo. Fox Alpha Bravo, numéro 1, rappel à l'ouverture main droite pour une base main gauche, piste 30. Bon, rappel à l'ouverture à droite pour une arrière main gauche, piste 30, Fox Alpha Bravo. Vie au milieu. Ouais. Voilà. Un peu de bille du côté du moteur vif. Je mets la transparence. Fox India Juliette, identifié, rappelé en sortie. Ici, Fox India Juliette, rappelé en sortie. Ok, donc le LOC est bon. Là, tour du pompier, piste 0523, inspecté, dégagé par Charlie, rien à signaler, je maintiens Charlie 30. Le pompier traverse la piste 30, inspecte écho, rappel, point d'attente écho. Je traverse la piste 30, je inspecte le parking écho, je rappelle écho. Donc au niveau du LOC on est bon, le glide est actif, donc à un point glide ça sera les volets et quand on débutera la descente ce sera le train. Je peux mettre les pompes et préparer ouais. Bah ouais. Hop, far landing. Et pompiers maintient le point d'attente écho, un appareil en finale 30 dans 4 minutes. Là, de toute façon, je peux sortir le premier cran déjà à cette vitesse. Ouais. Alors, un point glide, volet. Je vais aller chercher mon axe. Et j'ai la vitesse pour sortir le train. Sur le glide. Ouais. Sur le glide, dès que je débute le chrono. Top chrono. C'est le début de la descente. Hop, et le timer.
peu, il te manque 5 nœuds. Donc là, check atterrissage, donc on a les trois vertes. Un petit peu en dessous du glide, je remets de la puissance. On voit dehors, on voit la piste. Allez, on y va. Et tu ouvres à droite. Il y a l'ouverture à droite. Remise de gaz, ça va être lourd, hein, parce qu'on est lourd. Hein. Allez, remise. Allez, puissance. Basement droite, piste 30. Cette histoire de, je pense, de laisser la vie décalée du côté, Le problème, c'est que dès que je mets du pied, elle rebascule de l'autre côté. Jack Gear. Tourne en base pour un complet, Fox Alpha Bravo. Jack Gear. Fox Alpha Bravo, piste 30, pour les atterrissages, vent 280 degrés, 12 maximum 22 nœuds. Jack Gear. Il est bien compensé en profondeur. Ouais, ouais, ça va, ouais. Il est bien, voilà. Fonce un peu, donc je remets la puissance. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Et puis là, tu réduis tout doucement les deux. Allez, réduis tout, et on, ouais, voilà, et on l'arrondit. Réduis tout, maintiens-le encore. Voilà, on fait un complet. Voilà. On va dégager l'autre là-bas, ça t'éclate pas les pneus. Non, je le tiens. Voilà.